Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de un nouvel épisode, pardon, de tuto. Donc c'est parti pour, derrière moi, une étable. Donc euh, voilà, on a vu euh, la semaine dernière euh, la grange. Donc là, c'est parti pour euh, tout simplement une étable. Donc euh, l'étable, bah, bien évidemment, pour mettre être des animaux, hein, logique, vous allez me dire. Donc euh, on va faire vite fait le tour, mais euh, voilà, globalement, un peu, euh, c'est plutôt simpliste, hein, euh, vu comme ça. Mais euh, voilà, euh, il fallait y penser, je pense. Donc euh, allez, c'est parti pour le tuto Alors, étape 1, les amis, c'est parti. Donc on va Commencez par mettre le pilier, un petit peu les barrières, etc. Tranquille ou pépère. Donc, vous allez prendre tout simplement euh, du bois de sapin que vous allez monter euh, sur 7 blocs de haut ici. D'accord Hop, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez 7. Vous allez espacer de 5 en mettant des barrières de chaîne noire. d'accord Ici, vous allez monter de 4. Parce que là, on voit bien qu'il y a un toit qui va euh, de plus en plus haut vers le haut donc euh, voilà euh, là vous allez se passer de 5 en mettant des barrières vous allez remettre un pilier de 4 vous allez se passer euh, vous voyez de 7 ici cette barrière euh, de chaîne noire également vous allez monter de 4 et ici vous allez tout simplement euh, aller euh, à, à gauche quoi donc, vous allez mettre cinq barrières hop vous voyez il y a bien 5 vous allez monter de 7 ce petit pilier là des familles hop ici vous allez se passer de 3 en mettant des petits portions vous voyez vous allez remonter de 7, parce là en gros vous aurez l'entrée pour aller dans les tables. Euh, ici bah, également vous allez passer de 5, vous voyez. Euh, non, euh, non, non le jeu. Voilà. Espacer de 5, vous allez remettre un pilier de 4, comme ceci. Là ici vous allez passer de 7, d'accord On a 3 euh, fois 2 plus 1, ça fait bien 7. Vous allez monter de 4, vous allez espacer de 5, remonter de 4, vous allez revenir vers, euh, vers le, le devant, quoi, on va dire. Vous allez espacer de 5 également par rapport à ce pilier-là. Vous allez mettre un pilier de, de 7. Là, vous mettez vos 3 portillons. Et voilà, vous avez tout le contour de l'étape 1, vous voyez. Donc, vous avez la taille de votre étape. Voici pour l'étape 1. Étape 2, les amis, on va commencer à mettre un peu de fondation au niveau de, ce petite, de cette petite étape. Donc là, au niveau des, des piliers, en gros, vous allez tout simplement euh, bah, regarder, en gros, où vous allez mettre des piliers euh, porteurs, d'accord Ou des poutres porteuses. Alors vous voyez là, hop, par rapport à ce pilier-là et par rapport à ce pilier-là, et je reviens ici au centre et ici au centre, bah, je vais monter de 7. Donc là, euh, hop, voilà, on est monté de 7. Voilà, donc vous faites la même chose de l'autre côté et euh, vous associez le tout en mettant une petite euh, bûche ici, trois petites bûches. Et là, vous avez trois petites bûches en haut et au niveau de la... Les, les poutres qui sont là, euh, vous allez tout simplement mettre une barrière. Vous voyez un petit portillon et une autre barrière pour faire un peu un effet euh, de solidité de maintien en gros, comme s'il y avait une chaîne tout autour en gros. Donc là, au niveau de cette hauteur là, vous allez tout simplement mettre une barrière, un portillon à chaque fois. Vous voyez donc ça fait qu'on a deux portillons là sur les côtés. Bah, c'est la même chose parce qu'on a une zone de 5 aussi. Ici, bah, vous avez une zone de 7, donc au final, il va y avoir trois portillons et quatre euh, barrières. Vous voyez. C'est assez euh, visible je, je pense. Je pense pas avoir besoin de vous faire plus de précision. Donc ici à l'arrière on a également une zone de 5. Donc vous allez remettre tout simplement une barrière, un portillon, une barrière, un portillon, une barrière. Là vous faites la même chose qu'à l'avant. Donc vous avez un portillon au centre et deux barrières à côté. Et en haut, vous mettez votre petite bouche porteuse. Et vous êtes tranquille ou pépère. Donc là on a une zone de 5, donc on refait la même chose, vous voyez. Ici on a une zone de 7, donc c'est comme de l'autre côté. Vous allez avoir trois portillons pour quatre barrières, quoi. Et là, on a également deux zones de 5. Donc euh, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est assez répétitif au niveau du pattern. Voici pour l'étape 2, les amis. L Étape 3, tout simplement, on va s'occuper un peu des enclos. Donc euh, pour être tranquille au niveau des enclos, ici vous avez une barrière pleine. Et ici, bah, vous avez trois parties au centre avec deux barrières sur les côtés. Donc là, on a également la même chose. Ici, bah, on a une zone plus large. Donc, on va avoir deux barrières côte à côte et toujours trop portillons au centre. Comme ça, selon les animaux que vous voulez mettre, vous aurez de la place pour les faire passer. Donc, on a mis un petit peu de terre stérile, de terre euh, labourée. Euh, non, c'est pas de la terre labourée, c'est de la terre retournée. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, ça va avec euh, un coup de pelle et vous obtenez ce petit bloc-là qui est juste devant mes yeux. là. Euh, donc, le pot de zol ici et euh, de la terre stérile ici, vous voyez. Donc, on a mis un petit peu de paille. Enfin, j'ai mis un peu de paille. J'ai mis un petit chaudron avec de l'eau pour faire un abreuvoir. Et voilà on a des enclos plutôt sympas et j'en ai mis également ici au niveau du chemin pour montrer que bah, les animaux peuvent passer par là pour sortir par exemple si vous mettez un petit pré euh, derrière ou un enclos euh, libre un petit pâturage histoire qu'ils puissent euh, manger un petit peu d'herbe voilà pour l'étape 3 l étape 4 c'est parti on va rajouter un peu de détails donc là ici au niveau euh, des des, de l'effet que j'ai voulu donner avec les barrières et les portillons On va mettre tout simplement ici des petits euh, Des petits euh, boutons pardon de stone Là dans le bas vous allez mettre tout simplement Des murets de cobblestone avec une torche Histoire d'ajouter de l'éclairage autour de votre, euh, de votre étable Et ici en haut comme on va voir le toit Vous mettez tout simplement des petits murets de cobblestone Au niveau des, des dalles des, Enfin des, des dalles non des bûches de bois Pardon de sapin qui sont euh, tout en haut Voilà et on va voir notre toit qui va commencer Sur ça donc là ici pareil vous voyez j'ai les deux boutons J'ai toujours les, toutes les barrières de cobblestone En bas enfin les murets pardon Voici pour l'étape 4. Alors c'est parti pour l'étape 5 les amis. Donc il consiste tout simplement à faire le toit. Donc on va avoir toute une ligne de petites dalounettes euh, ici au niveau des murets qui sont sur l'extérieur. Ici on va mettre un bloc plein avec une petite plaque de pression pour éviter le spawn. Donc bloc plein, dalle deux fois. Bloc plein, dalle. Bloc plein et dalounette et là le dernier bloc plein avec le bouton qui sera au centre donc n'oubliez pas tout simplement là où vous avez des blocs pleins euh, de mettre une petite plaque de pression pour éviter le spawn des mobs ici sur le dernier on va tout simplement mettre des dalles comme ceci on va partir de là bas en bas on va refaire la même chose tout simplement on va pas s'enquiquiner la vie tac comme ceci hop allez monte toi et voilà, comme ceci. Donc, petite plaque de pression, plaque de pression, plaque de pression, et plaque de pression, comme ceci. Et voilà. Et à l'arrière, on a exactement la même chose. Donc, le bouton de la cassière, parce qu'il ressort vachement sur le chêne sombre. Et j'adore le contraste entre les deux. Voici pour cette étape 5, les amis. Alors, étape 6, les amis, tout simplement. On va parler de l'arête qu'il y a un petit peu ici. Donc, normalement, vous voyez ici, c'était un bloc plein. Et bah, on va mettre une dalle en plus. Comme ça, on va essayer de faire le truc. On va essayer de le rendre plus haut. En gros, le, le bâtiment, on va dire. Hop, bloc plein, tac, 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 et tac. Et là, on met un petit, une petite dalle histoire que ce soit pas mal. Et vous mettez des blocs, des petites plaques de pression où il faut. Et voilà, on aura un, un léger relief au niveau de la, de la petite ligne qui sera là. Voilà pour cette étape 6. Alors, l'étape 7, qui est la dernière tout simplement, qui consiste tout simplement à ici combler avec du sapin, vous voyez, donc des blocs pleins avec des plaques de pression qui vont faire un boucan du diable. Ça, c'est ce que souvent font les gars quand ils se promènent sur mon serveur. Quand euh, j'ai fait des toits avec des blocs de pression, ils se baladent dessus parce qu'ils savent que j'aime pas. Euh, donc, vous voyez la bloc plein avec euh, des petites plaques de pression, des dalounettes à l'intérieur. Euh, vous voyez euh, bien en haut, en bas. D'accord, histoire d'avoir vraiment un, un dessin aussi au niveau de l'intérieur que ce soit pas trop cubique, que ce soit vraiment une pente douce. Et euh, n'oubliez pas bah, de mettre des animaux. Et si vous êtes en survie, n'oubliez pas également de positionner des torchounettes à quelques endroits. Histoire de ne pas être embêté par les mobs. Donc voilà pour ce tuto qui a été ma foi très rapide par rapport au dernier tuto qu'on a pu faire. Et voilà les amis pour ce tutoriel qui est fini. Donc euh, il faut savoir que cette série de, cette série de vidéos sera euh, bientôt finie, je pense. Euh, parce que j'ai vu pas mal de choses au niveau du style un peu médiéval et tout ce qu'on pourrait construire dans un petit village. Donc euh, voilà, préparez-vous au fait que cette série sera bientôt terminée. Il y en aura une il y aura une série. Euh tutoriel qui arrivera un peu plus tard euh, sur le style japonais normalement parce que je vais essayer de m'initier à ce, à ce type de build avant de vous faire des tutoriels euh, là-dessus histoire d'avoir un truc vraiment euh, bien valide et tout et être vraiment euh, bien euh, en phase avec ce type de build et euh, la petite architecture donc voilà je vous laisse ici pour cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à la liker à la commenter et à la partager je vous fais d'énormes bisous les amis et je vous dis à la prochaine ciao ciao